quand le spectateur découvre la pièce, il découvre tout en même temps. Il découvre des acteurs, un décor, il entend des voix, des sons, des musiques, et c'est tout un. Au fil des années, la création sonore a pris une place de plus en plus importante dans les mises en scène de Denis. Voilà, parce que quelquefois, j'aimerais bien que la musique sorte de la nature, la dépasse, ouais. La fasse oublier, n'en reste plus que... Voilà, bah, c'est un peu ça ce que tu fais d'ailleurs. Naviguer entre les deux. Oui, on a toujours l'impression d'avoir peur toujours que les uns se surprennent les uns les autres. Pour l'instant, on ferait une entrée complètement à blanc, comme on a vu hier. C'est pas mal, hein, je trouve. Ouais, ça, c'est et bien. Puis, au moment où elles ressortent, là, la maison s'allume. Ouais. Et là, il nous faut, faut construire quelque chose. Deuxième. Moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Il pourrait envelopper toute cette petite séquence. Généralement, quand je monte une pièce, j'essaie d'écouter un peu tout ce qui a été produit à l'époque où a été écrite la pièce. Et ces musiques, j'en parle à Bernard, avec qui je fais le son des spectacles depuis tant d'années maintenant. Ça me paraît bien. Là, il y est, mais... Enfin, il n'y a qu'un oiseau. Et là, lui me propose aussi d'autres choses. J'ai remarqué que ça m'inspirait, ou j'avais besoin de ça. J'ai un sort de plaisir enfantin... Avec ça, ça me plaît tout simplement. Et j'ai tendance à mettre beaucoup de sons comme dans les spectacles. Non, il va arriver, je pense, avec ça de loin, au loin, comme ça, de côté. Oh. Non, mais Jean-Noël, il va faire ça très bien. C'est pas la bonne. Enfin, tu vois, il avance. Tout est perdu, Corinne. Non, madame. Hein, il veut l'attraper. Tout est perdu, Corinne. Non, madame, laissez-moi faire et ne craignez rien. Il y a bagarre, là. Ouais, voilà, des choses, des stridences. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Pam, pam, pion. Ça pourrait être presque des, tu vois, des pions. Des coups d'archer. Ouais. That's it.